bonsoir et bienvenue. Nous allons commencer notre live show. Je suis heureuse de vous retrouver ce vendredi 28 février pour un autre thème. Aujourd'hui, nous allons parler des élections. Nous sommes à 48 heures des élections et la question qu'on se pose, les Guinéens iront-ils aux urnes? C'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui à 48 heures des élections et du référendum. Et nous allons commencer, le temps que les gens nous rejoignent, les internautes à travers le monde, par cette chanson des Banlieusards qui parle de paix et surtout de lutte contre l'ethnocentrisme. Parce que l'ethnostratégie est utilisée dans notre pays souvent pendant les élections. Et donc, vous pouvez partager ce direct et sachez que vous pourrez rejoindre la conversation pour partager votre opinion à la deuxième partie de cette émission. Et donc, partagez la vidéo dans les groupes afin que plus de personnes nous rejoignent. Et en attendant, écoutez cette chanson. Et là, on partage le maximum dans les groupes afin de permettre à d'autres personnes de nous rejoindre. Déjà partagé dans vos différentes pages, dans les différents groupes. C'est vendredi soir, nous sommes à 48 heures et donc nous devons tous savoir qu'est-ce qui se passe dans la cité, qu'est-ce qui se passe dans vos différents quartiers et remonter les informations pour que les Guinéens sachent qu'est-ce qui se passe, à quoi s'en tenir. Je électorale. La période électorale est parsemée de crises. Voilà. Que j'ai préparé.
un maximum de partage. On va bientôt commencer. La carte Visa Infinite Momentum Scotia vous offre pour une durée limitée une remise en espèce de 10. Merci de nous avoir rejoints. Et donc, le live show, c'est sur les élections législatives. Ce live show était prévu, oui, tout à fait. Même si les élections ont connu un léger report. Mais je pense qu'il y a lieu d'en parler. Parce que le 1er mars, c'était dans 48 heures. Et toujours est-il que même si les élections ont eu un léger report, la situation reste de même. Et donc, le thème reste toujours en vigueur, donc on n'a pas voulu reporter le direct pour cette cause-là. Nous avons prévu de faire un direct aujourd'hui à 48 heures des élections, et donc c'est toujours d'actualité. Et donc l'antenne est libre pour savoir quelle est la situation dans votre quartier, mais en attendant, on va faire un petit synopsis de la situation que j'ai préparée pour vous. Alors, les Guinéens iront-ils aux urnes? Crise politique, manifestation, crise institutionnelle. L'annonce des élections législatives combinées au référendum a déclenché une vague de contestation. En cause, le manque de confiance au fichier électoral et la modification de la Constitution. D'une part, le FDST annonce une désobéissance civile demandant le départ du président de la République. D'autres, le parti au pouvoir continue sa campagne dans les fiefs. À l'intérieur du pays, plusieurs matériaux électoraux ont été détruits. Certains candidats ont été agressés et leur matériel de campagne détruit. L'opposition demande à ses membres de ne pas retirer leurs cartes et de boycotter le scrutin. Dans ce tohu-bohu, quelques institutions internationales et non des moindres se retirent du processus. Parmi elles, l'OIF, entendez l'Organisation internationale de la francophonie, qui a pourtant accompagné la CENI dans la phase de recomposition du scrutin du fichier électoral. Selon une récente sortie de la CENI, le fichier est passé de 6 042 000 à 8 330 688 électeurs. D'autre part, la CEDEAO, qui annonce se retirer du processus de l'observation électorale, a annulé sa mission en Guinée. Sur le plan national, des organisations de la société civile annoncent leur retrait de l'observation quand d'autres coalitions sont soudainement créées pour déployer des observateurs nationaux dans les différents centres électoraux. Dans ce climat, disons dans cette tempête que les élections étaient prévues le 1er mars et heureusement, ils ont été reportés. La recomposition du fichier électoral crée des problèmes. Et ce fichier est annoncé à 8 330 888 électeurs et est reparti comme suit. Zéré Corée, 1 216 268 électeurs. Mamou, 477 657 électeurs. Labé, 655 468 électeurs. Kindia, 1 092 428 électeurs. Kankan, 1 615 840, Farana 683 612, Conakry 1 699 958 électeurs, pour la région de Bouaké 673 186 électeurs. Alors en Europe 25 434 électeurs, en Asie 1 173 électeurs,
Amérique, 11 345 électeurs. Afrique, 178 318 électeurs, ce qui totalise 8 330 688 électeurs. Et donc, quelle est la situation dans votre pays, dans votre commune, dans votre région, dans votre quartier? C'est en cela la libre d'antenne d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons posé la question dès le début de la semaine, vu tout ce qui se passait, vu le retrait des institutions internationales, nous avons posé la question, depuis lundi, les Guinéens iront-ils aux urnes le 1er mars? D'où la question, les Guinéens iront-ils aux urnes le 1er mars? Et aujourd'hui, vous avez constaté que les récentes informations ont démontré que le scrutin a été quelque peu reporté. Mais ce report corrige-t-il tout ce problème-là, toute cette défaillance du fichier et tout ce climat, de ce manque de confiance, ce climat de crise? La question reste encore posée. Et donc, d'où cette libre antenne. Et aujourd'hui, nous vous donnons la parole. Il ne s'agit pas de nous aujourd'hui dans le live show, mais de vous. Qu'est-ce qui se passe dans votre quartier? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous vous y attendiez? Voilà, d'où notre question, les Guinéens iront-ils aux urnes le 1er mars? C'est vrai que, bon, les informations ont été mises à jour, mais le thème reste d'actualité parce que le climat reste le même. Un report de quelques semaines ne suffit pas pour régler le problème. Est-ce que les acteurs sociaux s'entendent? Qu'est-ce qui se passe dans votre quartier? Qu'est-ce qui se passe dans votre cité? Qu'est-ce qui se passe dans votre bureau? Dans votre centre de vote, appelez sur le 224-664-20-1050. Vous pouvez nous joindre sur WhatsApp et nous répondrons à votre appel et vous pourrez contribuer en ligne. Qu'est-ce qui se passe dans votre quartier? Voilà, d'où cette libre antenne aujourd'hui. 664-20-1050, vous pouvez appeler. Nous avons l'antenne qui est libre aujourd'hui et notre question, c'est: les Guinéens iront-ils aux urnes? Bien que ce n'est plus le 1er mars, mais les Guinéens iront-ils aux urnes? Est-ce que la date qui a été planifiée est suffisante en fait pour que tous les conflits soient réglés, pour que les leaders retournent sur la table de dialogue, pour qu'on évite les conflits? Et voilà, quelle est votre position selon votre appartenance, qu'elle soit politique, qu'elle soit institutionnelle, qu'elle soit de la société civile, que vous soyez observateur? Et donc, vous pouvez appeler au 664-20-1050. L'antenne est libre. Appelez et donnez votre avis sur la situation, sur le report, sur qu'est-ce qui s'est passé, sur comment vous vous sentez par rapport à ces élections-là et sur votre position. L'antenne est libre, que vous soyez du pouvoir, de l'opposition ou de la société civile, que vous soyez un acteur institutionnel. Aujourd'hui, la parole vous est donnée. 664-20-1050, appelez sur WhatsApp et vous serez libre de partager votre opinion sur la situation électorale. Nous attendons vos appels au 664-20-1050. Vous pouvez également appeler à travers Facebook parce qu'avec le direct, il y a une option qui vous permet d'être en direct. Si cette option vous sied, vous pouvez appeler à partir de Facebook, mais vous pouvez aussi appeler pour plus de convenience sur WhatsApp, 664-20-1050. Et donc, pour rappel, c'est les Guinéens iront-ils aux élections? C'était le principal thème du jour, même si toujours est-il est que le scrutin a été reporté, mais la situation reste la même. Voilà, donc quel est votre sentiment?
par rapport au report? Quel est votre sentiment par rapport à l'élection elle-même? Et quel est votre sentiment par rapport à comment les choses se sont déroulées de manière technique et votre avis par rapport à la crise? Aujourd'hui, l'antenne est libre, c'est vous qui parlez. Il y en a qui essayent de nous joindre. Lansana Douadia Bidiawara. Bonjour, Adia Fanta Sherif. Bonjour. Monsieur Lansana Douadia, c'est une opportunité pour la société civile de s'exprimer. Et donc, vous pouvez appeler au 664-20-10-50 ou directement en essayant de rejoindre ce direct. Il y a un onglet dans Facebook qui vous permet de rejoindre le direct. Mais si c'est plus convenient pour vous, vous pouvez appeler au 664-20-10-50. L'antenne est libre. Aujourd'hui, c'est la libre antenne. Ne vous gênez pas. Vos propos ne seront pas retenus contre vous. C'est pourquoi c'est une libre antenne. Et donc, vous serez libre de vos propos. Vous serez libre aussi de faire des recommandations. Parce qu'en tant qu'acteur social, le principal, c'est ça en fait. C'est comment faire des recommandations ou des actions qui doivent être menées pour sortir de tout ça. Et donc, l'antenne est libre. Encore une fois, vous pouvez appeler sur le 664-20-10-50. Et vous pouvez rejoindre... voilà, il y a quelqu'un qui appelle. Allô? Allô, bonjour. Bienvenue dans notre live show. Et donc, vous appelez depuis la France, c'est ça? Oui, bien sûr. Voilà. Quel est votre avis par rapport aux élections en général, à la crise politique en général et par rapport au report? Est-ce que vous vous y attendiez? Il y a des éléments qui vous disaient que, effectivement, ces élections n'auront pas lieu. Oui, effectivement, je suis là, mais je suis de très près de l'évolution sociopolitique de la Guinée. Personnellement, je n'y attendais pas parce qu'ils étaient décidés, le professeur, d'aller coûte-coûte toutes les tentatives de publication au niveau national, au niveau sous-régional et international. Tout à fait. Mais là, bref, c'est un autre soulagement et je pense que les deux semaines seront décisifs, c'est ça? Oui, seront décisifs. Mais je pense que là, c'est un autre soulagement déjà pour la population. Ok. Et je pense que ce temps-là sera utilisé pour mener vraiment des médiations pour que tous les acteurs qui sont impliqués puissent participer. Est-ce que vous pensez que disons la soudaine démission d'un des bras droits du président ainsi que l'annulation de la mission d'observation de la CEDEAO et que l'OIF qui s'est retiré aussi comme appui technique de la CENI ont poussé le président de la République à prendre cette décision de report, ou bien vous pensez que c'est venu d'une réflexion personnelle? Il a compris que le 1er mars, il y aurait peut-être des manifestations, des crises, ou que le scrutin aurait été entaché. De toute façon, il savait qu'il était coincé, que tous ses soutiens sont en train de prendre des distances. Mais c'est difficile à analyser, parce que quand vous regardez la situation, tous les ténors de l'opposition, les grands partis, l'IFR, le parti des Frères Militants, ils sont tous membres des FNDC, ils sont contre les législatives et le référendum. Vous comprenez, la crise, elle n'est pas d'aujourd'hui, mais il était quand même décidé. Là, le regret de la francophonie,
C'est ça, parce que jusqu'à hier et avant-hier, on suivait dans les médias publics, disons, une forme de campagne du président de la République à l'intérieur du pays, demandant aux militants d'aller voter le 1er février. Il est parti jusqu'à dire un proverbe soussou, lorsque tu dis la nuit que tu es belle, le matin on se rendra compte si tu es belle ou pas. Comme pour dire que, est-ce que les citoyens vont aller aux urnes comme ils l'ont, disons, promis pendant ces tournées à Boké, à Dubreka ou encore à Bofa. On a suivi ça dans les médias. Et jusqu'à, disons, 24 heures, c'est vrai que le parti au pouvoir était très, très, très prêt pour aller aux élections qui s'annonçaient dans 48 heures. Ce qui les intéressait de toute façon, c'est de passer le coup de force. Ils savaient que c'était préparé, que c'était taillé sur mesure. Le fichier, ils savaient même s'il n'y a pas de courage. Ceux qui sont inscrits sur le vote, ils étaient certains qu'il allait gagner. De toute façon, il n'y avait pas de parti qui pouvait compétir avec lui. Donc c'est comme s'il n'y avait qu'une seule image sur un bulletin, c'est-à-dire qu'on votait ou non pour un seul candidat. Sa mission d'observation. Voilà la mission d'observation. Là, il y a beaucoup de crédibilité en fait. Il se sent isolé, il a été développé d'avance. Il se pense que chacun de ses forces a joué un rôle. Parce que tous les médiateurs, ils voulaient l'aider, ils voulaient simplifier tout ça, mais il n'a pas accepté. Il y a une tentative de chef d'État de l'Ouest africain qui voulait venir. Ok. Alors, en France, est-ce que les gens ont pu, disons, délivrer leur bulletin? Est-ce qu'il y a eu un engouement dans les ambassades? Parce qu'il faut dire qu'au-delà des élections, avoir, disons, sa carte électorale reste un avantage pour certains citoyens. Certains souhaitent avoir une identité nationale. Est-ce que les gens sont partis récupérer leur bulletin? Pas trop, j'ai discuté avec certains qui sont là, qui représentent certains partis politiques, d'accord. Mais moi personnellement, compte tenu de la situation, l'officier, la façon dont ils nous ont organisé, moi je ne me suis pas recensé en fait. Okay. De toute façon, je savais que c'est plus tard en novembre. Okay. C'était pas intéressant, c'était pas. Les règles ne sont pas respectées. Donc je sais, même si j'allais même. J'étais recensé, ça n'aurait pu pas sembler quelque chose. Ok. Merci beaucoup pour votre appel et pour votre contribution. Vous pouvez peut-être rappeler votre nom aux auditeurs. Oui, moi c'est Valdé, voilà. Je suis ami de Céline. Oh, ok, merci beaucoup et à bientôt. Merci de votre participation. Merci. Voilà, Valdé, merci, au revoir. Donc pour ceux qui veulent appeler, 664-20-10-50 sur WhatsApp. On a raté certains appels qu'on va essayer de rappeler. Et si vous avez également quelque chose à dire, comme je l'ai dit, c'est une libre antenne et vos avis comptent, quel que soit votre pays. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bienvenue dans le live show par rapport à la crise électorale en Guinée. L'antenne est à vous. Oui. Ok. Bonsoir à tout le monde. Pour moi, vraiment, c'est un soulagement pour le peuple de Guinée. Je suis content pour ça. Parce que, de la façon que je fais maintenant, le peuple de Guinée a compris ce qu'on dit démocratie normalement. Le professeur, même lui, ce que moi je peux dire, lui-même, il a compris la population guinéenne a bien compris la démocratie. C'est pour ça qu'il a eu peur pour reculer. Moi, c'est comme ça, j'ai pété quoi. Ok. Voilà. Alors, pensez-vous que malgré le report, les différentes parties prenantes, entendez par là,
Je pense qu'il y a une interaction de votre côté. Vous êtes à côté d'une radio. Allô? Allô, allô, il y a une interaction en fait. Vous êtes à côté d'une radio. Ok, ok, maintenant c'est bon, on vous entend bien. Alors, donc... Alors, je demandais que vous... Pensez-vous que malgré le report, la situation va changer? Est-ce que les acteurs pourront se retrouver pour parler d'une même voix? Pour s'entendre, pour éviter la crise électorale? Non, moi, je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas qu'il y a un accord qui va avancer actuellement. Mmh. Moi, je pense que actuellement, seulement si ça va avancer, on va commencer par les accords avant. Mmh. Les débuts des accords. Mmh. Si on ne peut pas signer les autres accords, et puis on avait signé les autres accords, ça, ce n'est pas confirmé. Mmh. On commence par les accords premiers et puis on avance devant. Tout à fait. Mais, mmh. D'accord. Merci pour votre participation. L'antenne est libre. Merci. Vous pouvez continuer à suivre le débat. Si vous avez des propositions à faire, vous pouvez les mettre en commentaire. Merci pour votre appel. À bientôt. L'antenne est de nouveau libre. 664-20-50. C'est par rapport à la situation électorale, la crise électorale. Alors, on a un appel là. Attendez, je vais voir si ça, c'est par rapport à l'émission. À partir du téléphone. Voilà, on recevait des appels à partir du téléphone qui a le direct. Et on est de retour. 664-2050. Diogo Diallo, je te sais très engagé dans la société civile. Tu peux appeler. 664-2050, Lansana Doua Diaby, c'est le moment, si vous avez un avis à partager avec la population, voilà, en tant qu'acteur de la société civile ou en tant qu'un avis personnel, l'antenne est libre, 664-2050 sur WhatsApp, appelez, nous avons déjà des, voilà, des auditeurs qui ont appelé depuis la France pour parler de leur vision, comment ils vivent cette situation, cette crise politique. Voilà, depuis la France, et donc crise de confiance, crise politique, crise institutionnelle, des observateurs internationaux qui se retirent, voilà, le fichier électoral qui est en doute, et donc voilà, la société civile et l'opposition voilà, qui ne veut pas aller aux élections à cause du changement de constitution, donc ce référendum qui est venu s'ajouter aux crises liées aux élections législatives. Et donc, l'idée de ce débat aujourd'hui, de cette antenne libre, c'est justement de parler de cela. Et donc, même si la donne a changé, même si les élections ont été reportées pour quelques semaines, disons deux, pensez-vous que ce report va permettre de résoudre le problème? C'est là la grande question. On va voir s'il y a eu des appels en absence pour que... Voilà. On va essayer de les rappeler. Bonjour Souleymane Sabé Diallo depuis l'Allemagne. Donc, si tu as quelque chose à dire par rapport aux élections, tu peux appeler 664-2050 à partir de WhatsApp et donc pas en appel direct parce que ça va vous coûter, mais vous pouvez appeler sur WhatsApp et vous pourrez intervenir en direct. Dans cette émission, le live show qui parle de la situation électorale en Guinée, de la crise sociale, de la crise politique, de la crise institutionnelle liée aux élections. C'est devenu un cycle. Chaque année électorale, c'est comme ça en Guinée, 2010, 2015, 2017, 2018 encore, et jusqu'à présent, certaines questions électorales passées ne marchent pas. Et nous sommes... voilà, nous sommes en 2020, avec les législatives, on parle d'un référendum et également des élections présidentielles qui sont prévues en 2020. Donc, cette crise électorale ne peut pas continuer. Comment essayer de régler le problème? Comment amener voilà, les différents acteurs au dialogue? Parce que la Guinée connaît toujours des crises pendant les élections. Je pense que nous avons...
nous avons quand même, disons, mûri, quand je dis mûri entre griffes, parce que nous avons connu différentes crises, nous devons utiliser justement ces crises-là pour résoudre ces problèmes. Parce que la Guinée a connu différentes crises électorales et il est étonnant que nous n'arrivons pas à tirer des leçons. Et donc, appelez, nous avons l'antenne libre sur le 664 20 50. Voilà. Bonsoir à ma soeur Diarana Bari et bonsoir Roy Gabi qui nous rejoignent. Voilà. Venez, venez, comme le disent certains, et on va, c'est une assemblée, voilà, globale, ouverte, que vous soyez en Guinée ou ailleurs. Si vous êtes intéressé par la situation électorale ou par la crise sociale ou politique en Guinée, vous pouvez appeler sur le 664-2050. Donc, c'est notre Friday night aujourd'hui. Et on peut échanger, discuter, partager les idées. Nous sommes là pour ça. Et si vous avez également une expertise en matière de prévention des conflits ou en monitoring de la paix ou en monitoring électoral, en observation électorale, vous êtes aussi bienvenue pour partager cette expertise-là et votre avis sur la situation globale voilà, électorale en Guinée. Ok, on va essayer de rappeler les appels en absence. Je rappelle, 664-20-10-50. 664-20-10-50. Cette situation intéresse tout le monde parce que qui parle de crise électorale parle voilà, du climat des affaires qui est perturbé, parle de l'éducation qui est perturbée, parle du tourisme qui est perturbé. Et nous sommes aussi à une annonce d'une crise d'épidémie mondiale. Et donc, les élections absorbent toute l'énergie, alors qu'il y a d'autres situations qui pourraient intéresser voilà, les citoyens guinéens. Et donc, si nous ne sortons pas de cette crise électorale, nous ne pourrons pas régler d'autres problèmes tels que l'éducation, la santé, l'électricité qui manque, l'eau qui manque. Hein, et aussi cette pandémie qui commence à se répandre un peu partout. Et donc, le climat des affaires aussi pourra être touché parce que s'il y a des crises électorales et surtout dans la phase post-électorale, nous savons tous qu'il y aura voilà, des états de siège ou des conflits sur les routes. Les gens ne pourront pas se rendre au travail. Et donc, quelle que soit votre occupation, quelle que soit votre affiliation, la question électorale vous intéresse et donc vous pouvez appeler. Que vous soyez dans un parti politique de l'opposition du pouvoir, vous pouvez appeler. Que vous soyez aussi également voilà, de la société civile ou voilà, d'une institution, vous pouvez appeler. Et donc l'antenne est libre, 664-20-50. Aujourd'hui c'est l'antenne libre. Que pensez-vous du report des élections? Que pensez-vous de la situation électorale? Les deux semaines suffiront-elles pour régler la situation, pour amener les Guinéens sur la table du dialogue? Ok. Ok, on va essayer de rappeler celui-là. Alaykoum salam. Bien, merci. Et vous? Ouais, ça va, je veux bien. Ok, vous pouvez vous présenter et donner votre avis sur la thématique. Ouais, mon nom c'est Ahmed Diagne, qui vit en Gambie. Ok, en Gambie, d'accord. Et quelle est la situation en Guinée? En Gambie, plutôt. La situation aujourd'hui, il y a toute la journée. Manifestation du FNDC, au niveau de la résidence de l'ambassadeur de Guinée et tout. Ok. C'est ça même que j'ai vu sur la radio qui a descendu. Que la résidence du consul a été agencée. Je ne parle pas de l'anglais. C'est pas grave, exprimez-vous à votre aise. À mon état,
situation. Moi, j'ai le peur, parce que j'ai tout mon... Enfin, moi, mon esprit, ce ne partait pas aux élections, mais mon esprit partait à une guerre civile. C'était la seule chose qui m'inquiétait. Je ne faisais que prier, parce que il y a toute la ville est déjà une famille. Nous, on est là à suivre seulement la télévision, on ne sait pas ce qui se passe sur le terrain, c'est inquiétant. C'est la raison pour laquelle, dès que j'ai vu sur Facebook, j'ai dit, il va essayer de contacter cette site. On me dit quand même tout le monde est content ici. Et donc, en Gambie, le report des élections est bien perçu, c'est ça? Oui. D'accord. Et vous avez pu contacter la famille en Guinée pour savoir s'ils vont bien, s'il n'y a pas de manifestation dans leur quartier? Oui, ça a été la première chose pour moi. J'ai appelé ma maman, qui est assise actuellement en Fasia, avec toute ma famille. Okay. Je les ai appelés, ils m'ont dit qu'ils vont très, 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 très bien. Ok, Dieu merci alors. Yeah. Ok. Merci beaucoup. Merci pour votre participation depuis la Gambie pour nous parler de la situation électorale vue de la Gambie. Et merci de nous avoir aussi informé par rapport à la crise de la résidence du consul. Ok. Merci et à bientôt. Vous pouvez continuer à suivre le direct et faire des commentaires si vous en avez quelque chose que vous n'avez pas eu l'occasion de dire. Ok, merci. Ah, l'antenne est de nouveau libre, 664-2050, vous pouvez appeler pour donner votre avis sur la question, sur la crise électorale, le report, la situation elle-même. Pensez-vous que le report là va permettre de résoudre la crise? Voilà, ce sont des questions que les Guinéens se posent. Et comment sortir de ce cycle en fait électoral, parce que les élections en Guinée, c'est un peu comme la mythologie grecque Sisyphe, qui savait qu'en prenant sa roche et qu'en le mettant sur le sommet, ça va redescendre. Mais il répétait la même chose. Et donc, nous sommes devenus un peu routiniers. L'effet de causalité, les mêmes causes créent les mêmes conséquences. Et donc, tous les jours, c'est la même chose. Et chaque année électorale, ce sont des crises pour les mêmes choses. Et donc, comment sortir de ce cycle de crise-là lié aux élections? L'antenne est libre, 664-20-10-50. Sur WhatsApp, 664-20-10-50. On va essayer de... J'essaie de lire quelques messages. Donc, bienvenue Nadia Diarabi. Vous pouvez appeler sur le 664-2050 sur WhatsApp, comme ça vous n'allez pas subir un peu, la consommation de vos crédits. Donc vous pouvez utiliser votre passe pour appeler le 664-2050. L'antenne est libre. Donc, 664-2050, comme je vous l'ai dit, c'est la libre antenne, c'est à vous aujourd'hui d'animer l'émission. Vos propos sont les bienvenus, vos recommandations et suggestions sont les bienvenus. Et l'antenne est à vous, cette soirée vous est dédiée, c'est la libre antenne par rapport à la crise politique et sociale en Guinée. Surtout, elle est relative aux élections. Voilà, comme les précédentes années. L'antenne est libre, 664-20-10-50. Fois ça, 664-20-10-50.
10, 50, que vous soyez en Guinée ou dans la diaspora, cette antenne est à vous, que vous soyez de l'opposition ou du pouvoir ou d'une institution ou en tant qu'expert électoral ou moniteur de la paix, expert en prévention des conflits, observateur électoral, l'antenne vous est dédiée. Donc c'est le 664 20 10 50, libre antenne. Alors, en attendant que d'autres puissent nous rejoindre en ligne, au téléphone, vous savez qu'après la CEDEAO, l'Union africaine aussi s'était retirée. Et à travers cette annonce-là, les raisons avancées sont l'existence de certains facteurs qui laissent supposer que la situation sur place n'est pas exempte de tout risque. Ce qu'il faut lire entre les lignes, selon cet article de RFI, c'est que la CEDEAO se désolidarise du processus électoral en Guinée, un sujet sur lequel l'Union africaine affiche une ligne similaire. Dans un communiqué publié ce vendredi, le président de la Commission de l'Union africaine se dit préoccupé par les récents développements préélectoraux en Guinée. Il parle de fortes controverses sur le fichier électoral. Et il rappelle l'impossibilité du déploiement de la mission des chefs d'État de la CEDEAO. L'organisation régionale. Ok. On revient. Merci Serigne Ibrandoy. Bienvenue. Ah, allô, bienvenue, commandant. Oui, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Je vais bien. Merci d'avoir rejoint notre live show. Et l'antenne est à vous. Oui. Voilà, bonsoir. Et je voulais m'adresser à mes compatriotes, à mes frères, surtout à travers le monde, en leur expliquant que la situation politique nous en appelle tous. Oui. Il faut qu'on regarde de loin et de près pour comprendre que cette situation nous concerne tous. Je ne sais pas en mettant le feu ou en s'exprimant sur les réseaux sociaux en train de créer des ennuis entre nous. Aujourd'hui, nous devons mettre la Guinée au-dessus de tout ce qui est là, les conflits et tout. Nous sommes amenés à vivre ensemble. Nous, jeunes entrepreneurs aujourd'hui, nous avons des difficultés à sortir la tête de l'eau parce que les activités ne bougent presque pas. Tout à fait. Pour comprendre la politique, la mouvance et l'opposition que la jeunesse en a tant souffert, on veut franchement la paix dans ce pays. Se comprendre, marcher la main dans la main, avancer plus loin, que les élections se fassent maintenant, comme vous avez dit, ou après, les cœurs électoraux sont tout le temps émanés de problèmes post-électoraux et c'est compliqué. Donc, qu'on chasse, que les Guinéens ne sont plus prêts à ces genres de pratiques, on veut la paix en Guinée, nous vivons la paix. Demandons-nous chaque matin, qu'est-ce que moi je fais pour sur Facebook pour prenez la paix, pour cultiver la paix. Voilà, qu'on se comprenne, qu'on aille main à la main. Les élections, j'ai écouté le discours du président tout à l'heure en disant oui, les élections sont légèrement repoussées, mais pour les gens qui étaient déjà dans la course, la Guinée et le peuple, la nation doit se mettre au-dessus de la mêlée. Il doit se mettre au-dessus de la mêlée pour comprendre que tous les Guinéens sont ses enfants. Tout à fait. Après, ils ont autour d'une table de négociation. Ceux qui accepter d'y aller, qui viennent. On leur dit qu'on doit même qui viennent, on bouge ensemble. Parce que tant que un seul Guinéen n'est pas prêt pour ces élections, ça va créer une année dans une région, dans une ville, et dans un autre pays où les Guinéens se retrouvent. Parce que comme ça, là, on ne pourra pas aller placer des urnes. Il y a des quartiers où on ne pourra jamais. Il y a des villes où on ne pourra jamais aller placer des urnes. Tout à fait.
prenons la paix. Oui. Comme pour dire que tout conflit, qu'elle soit d'une couche ou d'une autre, pourra entacher la sincérité du scrutin en lui-même et que les Guinéens ne se retrouveront pas dans le fichier. Et donc, c'est là le principal problème aujourd'hui. Donc, on ne peut pas, c'est une seule partie, ne peut pas aller aux élections. Les élections doivent être inclusives. Et merci pour votre... C'est aussi lancer un appel aux gens qui sont en train de faire, si vous voulez, un peu la promotion d'un troisième mandat ou d'un quelconque changement de constitution et tout. Il faut faire attention. En fait, quand vous parlez, il faut laisser une porte d'ouverture et où vous pouvez passer quand il y a des amis. Donc aujourd'hui, s'impliquer à 100% dedans. Cette constitution dont vous êtes en train de défendre, est-ce que vous l'avez lue? Est-ce que vous êtes entré en possession pour comprendre qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quels sont les tenants et les aboutissants? Les aboutissants. Aujourd'hui, le Guinéen est un suiviste. Dès qu'il y a un problème, il sait qu'il a un parent ou un oncle qui est devant et il le suit aveuglément. Nous, moi, je ne suis pas prêt à suivre un politicien aveuglément. Moi-même, je suis un leader. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas drainer les gens comme ça parce que je suis, vous voyez, j'ai un petit intérêt que je vois quelque part sur les parties. De la Guinée doit prier. Tout à fait. Ça. Les Guinéens comprennent aujourd'hui qu'on est loin des autres. Il faut se mettre au travail. Il y a un comédien qui le disait la dernière fois. Quand le Guinéen arrête de parler, qu'il agisse. Il y a plus de paroles que d'actes. Tout à fait. Parce que la question électorale occupe en fait les 100% des conversations en Guinée, dans les milieux de travail, tous les projets. On ne parle que d'élections, il n'y a rien d'autre dont on parle. Mais les gens ne travaillent plus. La peur anime le Guinée à un certain niveau. Où ils ne peuvent plus se mettre au travail. Tout à fait. Je dis, donc, il y a annonce de grève demain. Nous, les étudiants, demain à la grève, moi, je ne sors pas. Yeah. Et tu ne sors pas. Nous qui devons payer le loyer chaque fin de mois. Nous devons payer nos travailleurs. Nous devons payer nos charges. Comment nous faisons pour aboutir à tout ça? Ce n'est pas le gouvernement. Tout à fait. Ça affecte surtout le secteur privé et les jeunes qui essayent de mettre en place des projets. Et souvent qui n'ont pas de financement, qui se débrouillent pour trouver des ressources. La fin du mois, un salarié attend son argent comme le crépuscule au moment du ramadan. Il ne va même pas attendre ça. Son argent n'est pas là, c'est des ennuis. Donc les gens comprennent qu'on est loin de ça. En faisant la promotion, que ce soit FNDC qui veut faire, qui est contre, ceux qui sont pour. Faites un débat conscient, idée contre idée, argument contre argument, et on bouge de l'avant. Mais les gens sont en train de s'attaquer, d'autres ne se parlent même plus. Oui. Enfin, ça affecte les relations interpersonnelles, et même professionnelles et familiales. Bien sûr. Mais moi, je voulais dire quelque chose encore plus haut. Les opinions doivent être respectées. Aujourd'hui, tout à fait. Il y a une appartenance politique. Que tu le dises ou pas, le jour du vote, c'est un droit que tu ailles mettre ton bulletin dans les yeux pour quelqu'un. Le fait de s'abstenir aussi est un choix. Tout à fait. Mais tout le monde a un choix. Donc moi, je respecte ton choix. Si tu ne respectes pas mon choix, je me dis que le débat politique n'est pas ordonné à Guinée. Tout à fait, parce qu'on voit déjà des personnes qui étaient très amies, qui se lancent beaucoup de flèches sur les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'ils ne sont pas du même avis. Alors que, comme vous l'aviez signifié, la vie politique ne doit pas interférer dans les relations interpersonnelles. C'est comme quand vous avez fait un débat tout à l'heure avec un ami. Moi, je pense que quand vous avez des idées contradictoires, ça vous permet de mieux discuter. Tout à fait. Pour tirer, pour apprendre quelque chose de lui. Mais dès que tu es d'avis contraire avec les gens sur un débat, on te traite de borné, on te traite de bête, de ici, de cela. Et qu'on puisse comprendre que la Guinée est au-dessus de tout ça. Il faut que cette vénérable débat soit animé entre jeunes de la mouvance FNDC, qui viennent autour de l'État. Quand tu as les arguments, quand tu veux défendre quelque chose, que tu sois conscient que tu es en train de défendre, tu as la maîtrise. Tout à fait. Que tu aies les arguments nécessaires d'une part et d'autre. Tout en respectant les avis de chacun. Vous dites oui à quoi? Il faut que vous soyez au moins capable de défendre. Article 1 de la Constitution, de l'ancienne, qu'est-ce que ça veut dire de la nouvelle? Qu'est-ce que ça propose?
aujourd'hui. Mais les gens aujourd'hui défendent sans avoir, tu veux un peu d'arguments solides pour avancer. Les gens disent non, sans avoir d'arguments solides pour dire non. En fin de compte, ça devient un clivage entre vous. Les gens, vous ne vous comprenez jamais. Tout à fait. Et nous, qui sommes en train d'observer, on souffre en fin de compte. Oui. Quand vous dites ça, les gens disent non, on est en train de voir nos intérêts. Nous sommes en train de voir les intérêts des pauvres gens qui travaillent avec nous, qui sont à la merci de leur maigre salaire à la fin du mois, qui souffrent. Parce que si nous fermons, c'est eux qui vont souffrir. Et donc, oui. C'est ce genre-là qu'il faut voir, surtout le secteur informel. Je vous donne un exemple d'une dame qui vend le riz pas loin de chez moi. À chaque fois qu'il y a la grève, par exemple, où elle a prévu qu'elle n'a pas, elle a prévu de faire assez de riz. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'activité. Elle a fait son riz, le tuer pourri. Tout se gâche. Comment elle va faire pour avoir son fonds de commerce? Oui. Et même comment nourrir les familles, sachant que les marchandes, elles vendent le jour au jour au détail pour nourrir la famille, en fait. Et donc, c'est tout un cycle. Ça veut dire que le mois prochain, elle n'aura même pas la scolarité pour sa fille. Oui. Il faut, moi, je pense qu'on a interpellé, comme on a dit, le père de la nation. Il sache que les gens autour de lui, c'est vrai que, comme ça, ils sont en train de défendre, si vous voulez, un peu que leur intérêt. À un moment donné, on est à la fin. Franchement, comprenons-nous quelque chose de concret. Tout à fait. Non, vous pouvez partir, vous pouvez faire ci, non, vas-y, foncez. C'est l'avenir de la jeunesse qui est hypothéquée. Dans ce cas, c'est l'avenir de la jeunesse qui est hypothéquée. Moi, je me dis, en tant que jeune, franchement, la politique, c'est vrai que ça va venir. Tout homme, si vous ne faites pas la politique, si nous, les hommes capables de mettre dans des liens, c'est les médiocres qui vont nous gérer. Tout à fait. Donc, en tant que très bon technicien, lancez-vous dans la politique pour équilibrer la technique et la politique. C'est très important. Mais si les jeunes aujourd'hui sont plus impliqués dans la politique, ils laissent la qualification, ils ne sont pas qualifiés. Combien de jeunes aujourd'hui peuvent compétir sur le plan international? Quitter la Guinée, aller travailler au Sénégal par exemple, aller travailler au Mali, il y en a moins. Tout à fait. Ça parle plus que ça travaille, on est plus intéressé par les biens que nos grands donnent dans les quartiers. On n'est pas concentré sur la formation. Tout à fait. Alors que la politique, c'est aussi ça. La politique, c'est aussi apporter un plus à la communauté. Un politicien peut aussi mettre en place une école. Donc la politique, c'est aussi apporter un plus à la communauté. Autant on fait sortir les jeunes dans la rue, autant on peut les former, autant on peut leur donner ce qu'on appelle des smart business, c'est-à-dire des subventions pour leurs projets. Pourquoi pas? Parce que la politique aussi... c'est comment apporter un plus à sa communauté, même si on n'est pas au pouvoir, qu'on soit de l'opposition ou en tout cas d'un parti au pouvoir. Comment impacter sa communauté et donc au-delà. Je vais apporter une précision encore. Il y a tout à fait une inadéquation entre la formation et l'emploi. On est en train de former des juristes, des économistes, des ingénieurs environnementaux, des ingénieurs militaires. Mais il y a d'autres activités aujourd'hui qui peuvent accélérer le développement du pays. C'est-à-dire des ingénieurs agronomes. Nous avons des plaines qui chôment partout. Vous savez, je pensais que le créneau de ce gouvernement était quoi? C'est de voir trouver des banques agricoles aujourd'hui qui peuvent accompagner les jeunes à aller vers l'agriculture. Surtout que c'est un secteur où les jeunes se démarquent beaucoup sur leurs fonds propres actuellement. Les jeunes se démarquent avec leur aide moins. Mais si tu as un champ incendié tout à l'heure sur 2-3 hectares, comment tu fais pour relancer tout ça? Donc, il doit y avoir une sécurité autour du foncier qui accompagne les jeunes dans ce sens, des banques qui accompagnent les jeunes dans ce sens. Après, le remboursement est suivi et les gens commencent à tirer vers les épingles du jeu. Mais tant que c'est comme ça, cette jeunesse va stagner comme ça et notre génération va passer, il y aura d'autres aussi. Ça va impacter et de génération en génération. On ne pourra jamais sortir la tête de l'eau. Oui, tout à fait. Déjà, il faut dire que les personnes qui sont nées en 2010 ont 10 ans aujourd'hui. Et ça veut dire que cette génération-là, ça fait 10 ans qu'ils, malgré qu'ils n'ont que 10 ans, ils ne vivent qu'avec des crises politiques. Et dans 8 ans, ils seront majeurs. Et ce seront des futurs jeunes qui seront encore
versé dans le dans les crises électorales si on ne fait pas attention. Merci, Koumandian. Voilà. Merci, Koumandian, pour ta participation. Merci beaucoup. Merci, bye. Ok. Alors, on s'excuse pour ceux qui étaient en attente. On va les rappeler tout à l'heure. Hein? Oui, oui. Ok. Mamadou Diallo, tout à fait. On va essayer de rappeler ceux qui... Voilà. Mamadou Diallo, d'accord, vous pouvez appeler maintenant. L'antenne est libre. Hein. Je rappelle ce numéro-là. C'est le numéro sur lequel vous pouvez appeler pour intervenir en direct. C'est sur WhatsApp. Ok, si. 664-2050. Vous pouvez appeler sur ce numéro pour intervenir. Quel est votre avis sur la crise électorale en Guinée, voilà, et sur le report de ces élections-là? Pensez-vous que cette période de grâce permettra de revenir à la table de dialogue? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Ok, en attendant que les appels manqués rappellent, on peut vous proposer... Pour ceux qui ne l'ont pas suivi peut-être, ou pour rappel, le discours du président de la République aujourd'hui par rapport au report. Guinéens, Guinéens, chers compatriotes. La Guinée a été, depuis 1958, parmi les champions du panafricanisme. Nous savons les sacrifices que notre peuple a consentis pour soutenir le mouvement de libération. L'armée guinéenne a vraiment participé à la libération de nos frères de Guinée-Bissau. Rappelez-vous que le président de FEM, Nathan Conté dirigeait le contingent guinéen à partir du Boké. Le MPLA a été fondé en Guinée. Le président Mandela et son frère Mbeki ont eu un entraînement militaire à Kindia. Nous avons assisté nos frères d'Angola, de Mozambique et du Congo, Léopoldville. Donc, c'est pas responsabilité nationale et sur le journal que nous avons accepté un report léger de la date des élections. Ce n'est ni une capitulation ni une reculade, mais la fidélité à ce qu'est de la Guinée hier, qu'elle est aujourd'hui. Que cela demain. N'oubliez pas que dans la nouvelle constitution, nous avons dit, nous avons écrit que la Guinée est prête à se fondre dans un ensemble plus vaste. Voilà donc pourquoi nous devons toujours rester dans le cadre de la CEDEAO et de l'Union africaine. Bien sûr, c'est un bon jubilé. En disant ça de la capitulation. Voilà donc la lettre que j'envoie au président en exercice de la CEDEAO. Je sais que beaucoup d'entre vous vont être mécontents, d'ici, révoltés. Mais la Guinée, qui a été la partie du panafricanisme, peut-être s'isoler de ses pays frères, de nos hommes, non. Mon passé est là. Ancien président de la FEANF, défenseur du panafricanisme, ancien président de l'Union africaine, vous avez tous vu comment j'ai défendu l'indépendance de l'Afrique
et comment je me suis battu pour des problèmes africains soient réglés par les Africains. Donc, c'est fort de cette sensibilité et de l'esprit panafricain des Guinéens que j'ai accepté ce report. Je rappelle encore aux militants, aux sympathisants et à tous les Guinéens qui voulaient exercer leur droit le 1er mars que c'est un grand sacrifice, je leur demande. Je sais que beaucoup ne dormiront pas ce soir. Beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont se révolter. Mais il est de la responsabilité d'un chef d'État de défendre les intérêts de son pays, mais aussi les intérêts de la sous-région et de l'Afrique. La Guinée, par son passé, doit être toujours parmi le leadership du panafricanisme. Donc, nous restons fidèles à notre histoire. Tant pis pour ceux qui vont croire que c'est un recul. L'avenir démontrera que nous sortirons grandis de cette épreuve et que le peuple de Guinée exprimera librement son choix à travers le référendum et choisira librement ses députés. Et je persiste encore, position importante, qu'ils ne sont concernés que les partis qui sont déjà en commission, c'est-à-dire qui sont en règle devant la CENI. Je précise très bien, cela ne concerne que les partis déjà engagés dans la compétition électorale. Merci, chers compatriotes. Nous sommes de retour, voilà, dans notre conversation sur le live show. Alors, nous, voilà. Merci de... Allô? Voilà. Donc, vous avez écouté le discours du président de la République. On peut dire que c'est un discours... voilà. On ne sait pas comment le qualifier. Vous-même, vous allez le qualifier. C'est ça. C'est un discours qui parle du report, mais... Apparemment, comment on peut l'analyser, c'est comme si il gardait sa position. Allô, oui. Oui, allô, vous êtes en ligne, vous pouvez intervenir maintenant. Présentez-vous et dites-nous d'où vous appelez et voilà, vous êtes l'antenne est à vous. Allô, vous nous recevez? Je pense qu'il y a un retard de transmission. Vous m'entendez? Oui, moi je vous reçois très bien. Vous pouvez intervenir. Allô? Vous pouvez intervenir, je vous reçois. Allô? Allô, moi je vous reçois très bien. Vous pouvez intervenir. Allô? Ok. Voilà. Allô, oui. Voilà. Ok. Donc, je me nomme Diallo depuis Indiana aux États-Unis. Ok. Donc, je voulais d'abord intervenir sur le discours du président. Je vais, en première position, c'est un discours de fer. C'est un discours très dur. Même si, d'abord, si monsieur le président voulait un discours, il devait le faire pour la paix. Tout à fait. Tout parce que... Parce que, vu ce qui se passe dans le pays et tout, c'est comme si c'était un pays en guerre. Donc, si monsieur le président aujourd'hui décide de faire ce discours, ça devait être un discours pour la paix, pour appeler tout le monde au dialogue pour qu'on sorte de cette crise. Mais le président, il a rappelé d'abord que la Guinée est un pays panafricain.
c'est un pays qui a beaucoup, qui a su œuvrer pour aider d'autres pays de la sous-région, de l'Afrique en général. Oui. Donc, il a rappelé l'historique de la Guinée. Mais au niveau d'un autre point de son discours, il dit que ce n'est pas une capitulation. Il y a d'autres Guinéens qui ne vont pas dormir aujourd'hui, qui vont être très fâchés et tout. Mais en tant que président de la République, il doit regarder tous les Guinéens. Oui. Et faire un discours de, qui doit rassembler tous les Guinéens. Mais ce discours, c'est déjà, moi je peux dire que c'est, d'un côté, il a bien fait. Parce que au moins, les tensions vont un peu baisser. Et puis les Guinéens pourront sortir et pour leur quotidien, parce que nous savons la pauvreté qui règne en Guinée. Donc, aujourd'hui, monsieur, il est le père de la nation et tout, et c'est un opposant historique, un opposant qui était respecté. Et aujourd'hui, il devait s'en aller comme ses modèles. Tout à fait. Qui voulait ou bien qu'il est le Mandela de la Guinée, le Barack Obama de la Guinée, mais M. Mandela, il n'a fait qu'un seul mandat. Il avait l'opportunité de rester au pouvoir durant toute sa vie, mais il fait un mandat et quitte. Et Barack Obama, il ne fait que deux mandats. Il était aussi populaire que ça. Donc il quitte. M. Alpha Condé avait une opportunité de rester un opposant historique et un modèle pour toute l'Afrique. Donc, je pense qu'il n'est pas trop tard. Et aujourd'hui, il a toujours l'opportunité. C'est le dialogue. Il n'a qu'à appeler tout le monde sur une table et autour de la table, il négocie. Parce que tôt ou tard, nous Guinéens, nous voulons voir un ancien président vivant. Et un autre président sortir d'une porte pour laisser un autre rentrer. L'État, c'est la continuité. Monsieur Alpha Condé, il a commencé beaucoup de projets et il ne peut pas tout terminer. Il doit laisser l'opportunité à d'autres de venir terminer les projets comme il a terminé d'autres projets de Monsieur Condé. D'autres vont venir terminer ces projets. C'est la Guinée qui gagne quand nous avançons. Oui. Mais aujourd'hui, le problème est, je me demande quel est le rôle, le niveau de mentalité du Guinéen. Parce que je ne sais pas si tout le monde... Ok, je vais dire, aujourd'hui, la Guinée, le Guinéen souffre. Oui. La Guinée est l'un des pays les plus pauvres du monde. On se vantait de PPTE et la Guinée s'est surendettée aussi. Le Guinéen souffre. Alors, la souffrance ne connaît ni peur, ni maladie, ni ce souffle. La souffrance, la pauvreté n'a pas détenu. Nous souffrons ensemble ou bien nous avançons ensemble. Donc, le petit clan, comme le petit clan ou bien les trucs, les opportunistes qui sont autour du président, doivent savoir tôt ou tard, monsieur le président partira. Oui. Et puis, nous voulons qu'il parte par la grande porte. Ces opportunistes ne veulent que tromper le président, en fait. Oui. Parce qu'aujourd'hui, monsieur le président, il a 84. Donc, s'il reste au pouvoir, il dit qu'il change la constitution. Oui. Et s'il se présente pour un troisième mandat, il va rester 6 ans. Et il va se représenter aussi pour 6 ans. Mais nous serons comme les temps de Conté à la fin de son règne. Qui va gouverner la Guinée? Ce sont les inscrits. Ou bien qui gouverne la Guinée aujourd'hui? Ce sont des proches de Conté. Des gars qui ont pillé le pays n'importe comment. Mais le Guinéen, nous soufflons. En fait, nous ne nous demandons jamais qu'est-ce qui peut nous aider. Oui. Ou bien comment sortir de cette crise. Oui. C'est-à-dire on refait les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs qu'on avait fait hier, on les répète aujourd'hui. Et puis, on parle de nouvelles constitutions. J'ai écouté l'autre intervenant qui disait qu'il faut un débat. Oui, nous voulons un débat. Nous voulons savoir dans quel cadre ils veulent d'un changement constitutionnel. Oui. Dans quel cadre ils veulent. Quelle est la base? Ou bien quels sont... Parce qu'ils nous disent qu'ils vont faire une constitution
écologie, qui vont construire déjà la mutilation génitale et tout. Mais ça, c'est déjà dans des lois, en guillemets. Tout à fait. On a la loi de l'environnement pour, qui a ça, et au ministère de l'Action sociale aussi, et aussi dans le code de l'enfant. Et voilà, et plein de, comme vous l'avez dit, plein d'autres lois parlent de ces deux phénomènes déjà. Ok, maintenant, partout où le président passe, ce sont des exemples qu'il prend. Oui, récemment, il y a Dubreka à Bofa, à voilà, ou encore Bokeh, c'était le même discours, effectivement, comme si, voilà, la constitution pouvait être changée à cause de ces deux choses. Qui existe déjà dans nos différentes lois nationales. Okay. Donc, même le code pénal interdit l'un d'entre eux, l'excision. Okay. J'écoutais un avocat tout dernièrement qui expliquait quelles sont les nouveautés et si cette constitution allait nous faire avancer. Mais en fait, rien ne change de la constitution. On ne fait que régresser parce qu'il y a des grandes lois ou bien des points qui étaient dans l'ancienne constitution, dans la constitution actuelle de 2010, qu'ils ont tout simplement enlevé au niveau de la proposition parce que ça ne leur profite pas en fait. Donc, ce que le Guinéen doit avoir, nous, en tant que jeunes, en tant que Guinéens, nous devons comprendre, avant tout, lisons la proposition. Oui. Regardons ce qu'il y a de nouveau. Oui. Est-ce que réellement il y a quelque chose de nouveau dedans? Mais tu vois, partout où on voit des gens crier, nous voulons une nouvelle constitution, oui à la nouvelle constitution, alors qu'ils ne savent même pas un seul point de la constitution. Comme pour dire qu'il n'y a même pas eu en fait le consensus sur le contenu même de cette constitution qui a été validée d'un trait, on peut le dire comme ça. Beaucoup de Guinéens ignorent le contenu. Qu'ils vont faire la vulgarisation. Mais au fait, personne ne connaît. Ceux qui ne lisent pas ne savent même pas ce qui se trouve dans la nouvelle constitution ou la constitution actuelle. Donc, dans tout ça, nous devons voir dans quel cadre légal ils veulent changer la constitution. Quelles sont les raisons? Et pour quelle fin? Tout à fait. Qu'est-ce que ça va apporter au Guinée? Donc, il y a des points qu'on doit se demander et laisser les partis politiques ou laisser le Guinéen. Ils vont dire aujourd'hui, oh, M. Alpha Condé, c'est un malinqué, les peuples sont contre lui, ou bien c'est le simple, les malinqués sont contre lui, de l'autre côté de l'IFR et tout. Mais au fait, nous, Guinéens, nous sommes devenus ethnocentristes naturels. Parce qu'en fait, on ne voit jamais ce qui peut nous aider. On ne voit que notre ethnie en première position. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont autour du président Alpha Condé, c'était les gens qui étaient à côté de M. Lansana Condé, les Kérédi Bangoura, Baïdi Aripo et tout. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté à la Guinée? M. Alpha Condé, aujourd'hui, il devait voir, analyser et tout, voir que ces hommes ne sont pas pour lui. Ils sont contre lui parce qu'ils veulent gâter son opportunité de sortir par la grande porte. Aujourd'hui, il y a combien de Guinéens qui sont morts à cause de cette proposition de constitution? Il faut que quel est le bilan de M. Alpha Condé pendant les 10 dernières années? C'est que nous, Guinéens, on devait voir ce que M. Alpha Condé nous avait apporté ou bien ce qu'il nous a apporté et à partir de là nous faire une idée. Oui. Et voir réellement comment. Parce que si nous voyons aujourd'hui, on nous parle, il n'y a plus de débat économique dans le pays. Il n'y a plus aucun débat. Le seul débat du jour au lendemain. Ce sont les élections. Ça fait des années qu'on ne parle que de ça. Plus de 10 ans, on parle d'une élection en Guinée. Dans quel cadre on va faire un débat économique et dire, ok, la Guinée, parce qu'il parle de la croissance économique, ça ne va jamais se ressentir dans le panier d'une ménagère. Donc, on dit qu'on a une croissance et tout, mais le Guinée souffre.
familles ne savent plus quoi faire. Oui. Le Guinée est devenu hypocrite par nature. Oui. On s'endette, on fait tout ce qu'il y a de possible pour nous en sortir. Mm-hmm. Alors qu'on dit que la Guinée c'est un pays riche, oui. c'est un pays okay, qui on va dire c'est le poumon. Il peut être le poumon économique de l'Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Dans tous les secteurs, hein, qu'ils soient énergétiques, agricoles, entrepreneuriales et même du point de vue aéroportuaire et portuaire, parce que la Guinée est sur l'océan Atlantique, du point de vue stratégique, nous sommes très proches des États-Unis et nous sommes très proches de l'Europe. Et donc, c'est très facile pour nous d'avoir des échanges commerciaux. Et du point de vue énergétique, la Guinée, avec ses cours d'eau, peut-être un foyer énergétique pour la sous-région, du point de vue énergie hydraulique, du point de vue énergie éolienne et thermique et tout type d'énergie, parce que si on prend que la zone de la Haute-Guinée, avec le soleil qu'il y a là-bas, la Guinée peut être autonome en énergie solaire dans cette région de Cancan, et Conakry aussi, on a 300 km de littoral, ça veut dire qu'on peut installer des panneaux éoliens et on peut être autonome en énergie de ce côté. Et l'énergie solaire marche même sans soleil, c'est-à-dire même quand il y a un ombrage, ça marche. Et la Guinée est un pays tropical, ça veut dire que même en saison pluvieuse, nous avons de l'éclaircie. Et ce sont des choses qu'on doit mettre en place. En Guinée, on continue à cuisiner avec du charbon. La constitution devrait interdire ça aussi, si on dit qu'on va planter ou construire des arbres. Mais quelles dispositions ont été prises pour que la ménagère puisse cuisiner avec voilà, un foyer électrique ou un foyer solaire ou un foyer amélioré? Ces dispositions ne sont pas vraiment prises. Quelques projets existent, mais ils ne sont pas vulgariser. La femme en milieu rural continue à cuisiner avec du charbon de bois. La femme en milieu urbain, même Conakry, continue à cuisiner avec du charbon de bois. Et ce bois provient de la forêt. On ne peut pas se battre pour la reforestation quand de l'autre côté, aucune disposition n'est prise pour la déforestation. Et donc, je rejoins votre avis sur cette question-là, que la Guinée peut être un poumon dans plusieurs secteurs, et les jeunes de Guinée, malgré les situations compliquées, essayent de se battre ça et là. Et vous avez remarqué que sur le plan international, dès qu'on sort, on arrive à remporter des prix. Ça veut dire qu'il y a du génie en Guinée. Merci pour votre appel depuis l'Indiana. Et si vous avez un mot de conclusion. Ok, je veux juste dire pour conclure, chers jeunes Guinéens, s'il vous plaît, prenons conscience. Notre avenir nous appartient. Nous devons faire le mieux que possible pour bâtir notre avenir. Mm-hmm. Le développement de notre pays, la paix dans notre pays, ne dépendra que du Guinéen. Mm-hmm. Personne ne viendra nous aider. Mm-hmm. Dieu ne viendra pas, ou bien Dieu ne fera pas descendre les gens pour construire la Guinée. Si nous-mêmes, on ne le veut pas. Ok, nous devons le faire nous-mêmes, dans la paix et dans la cohérence. Nous voulons que M. Alpha Condé laisse le problème de la nouvelle constitution. Il n'a qu'à s'en aller par la grande porte. En tant qu'opposant historique, il deviendra un modèle pour toute l'Afrique. Ouais. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Diallo, depuis l'Indiana aux États-Unis. Merci. Ok. Oui, bonne arrivée, M. Ibn Moussa Chérif. Je lis le commentaire. Le professeur Alpha Condé doit laisser la place à d'autres personnes. Il n'est pas le seul Guinéen. Donc, voilà, si vous voulez poursuivre ce commentaire par un appel à M. Ibn Moussa, vous pouvez appeler sur le 664-20-10-50 sur WhatsApp. L'antenne est de nouveau libre. 664-20-10-50. La thématique, comme je vous l'ai dit, c'est la crise électorale en Guinée. Pourquoi nous sommes toujours dans le même cycle, toujours la même chose, toujours on parle d'élection, comme si voilà, notre destin n'était lié qu'à ça. On ne parle plus de développement, on ne parle que d'élection. En 2017, c'était la même chose, c'était les communales qui ont traîné jusqu'en 2018 et jusqu'en 2019, certaines questions ne sont pas réglées, nous sommes en 2020. Jusqu'à présent, certaines questions ne sont pas réglées et nous sommes au législatif, le mandat
des députés est dépassé depuis très très longtemps. Nous n'arrivons pas à organiser des élections législatives dignes de ce nom. Et dans cette même crise, une autre crise intervient, c'est la crise liée au référendum. Voilà, M. Ibn Chérif dit qu'il nous ramène toujours au même problème, en faisant allusion au président de la République par rapport aux élections. Et donc, l'antenne est libre, 664 20 10 50, vous pouvez intervenir depuis votre région, en Guinée, quel que soit le pays de la diaspora. Voilà, 664 20 10 50, M. Ibn Chérif. 664 20 10 50, et c'est sur WhatsApp. Comme ça, vous pourrez économiser vos passes, vos unités. La parole est en streaming sur WhatsApp. 664 20 10 50. L'antenne est libre, c'est votre soirée. Voilà. Nous voulons amener plus de débats structurés sur les questions de développement de la Guinée, d'où cette libre antenne, voilà, parce que j'ai... Voilà. Bonjour, Monsieur Ibn Chérif, merci de nous rejoindre dans le live show. L'antenne est à vous. Bonjour, bonsoir. Oui. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Alors, comment vous vivez cette crise électorale de loin et quel est votre avis sur le report? Et nous avons déjà lu vos commentaires et vous pouvez revenir là-dessus, c'est une occasion pour vous, voilà, de donner votre opinion. Enfin, je suis très content de pouvoir parler un peu de la situation de mon pays, même si je suis un peu loin de ce pays en ce moment, mais mon cœur y est toujours. Par rapport au report des élections, moi je trouve que c'est un petit soulagement, mais ce n'est pas vraiment le soulagement qu'on souhaitait. Parce que, voilà, on ne sait pas ce que le professeur est en train de préparer encore pour nous ramener dans d'autres situations. Je pense que pour la paix dans ce pays, pour toutes ces personnes qui sont conscientes, pour toutes ces personnes qui pensent à l'avenir politique, socio-économique de la Guinée, on n'a pas besoin de reporter cette élection. Donc, si je dis bien qu'on n'a pas besoin de reporter ces deux élections, je ne le dis pas absolument, mais je veux mettre le point un peu sur une éventuelle présentation ou sur un éventuel troisième mandat du professeur. Et une situation que moi, je ne salue pas, parce que en réalité, je suis très déçu de notre professeur. Très déçu parce que pour avoir lutté, bon, je vais revenir encore sur les mêmes paroles qui vont tourner en boucle. Pour avoir lutté pendant plus de 40 ans pour une démocratie, et on essaye, coûte que coûte, pas que vaille, de nous apporter une nouvelle constitution. Et dans l'intention surtout de vouloir briguer un troisième mandat, moi ça me choque. Je suis très choqué. Mais comme le disent la plupart des optimistes, rien n'est tard. Rien n'est tard pour le professeur de dire tout simplement que voilà, on ne pourra plus, ce n'est plus la peine, vaut mieux que. Voilà, vaut mieux qu'ils cèdent le pourquoi. Et j'aimerais attirer l'attention des partisans, des membres du parti du RPG. Vous n'êtes pas en train de soutenir le. Je vais le dire, vous n'êtes pas en train de soutenir le professeur. Il est le seul. Il a fait 10 ans. 10 ans. Est-ce qu'il n'y a personne de capable dans ce parti-là pour pouvoir prendre le relais? On va toujours vivre dans le perpétuel recommencement. Nous, les Guinéens, on va toujours continuer à souffrir, à soutenir un président pour qu'il meure. Au pouvoir avec d'autres crises. Après qu'on dise, ouais, c'est Dieu, Allah le Noé, Dieu. Mais écoute, il faut qu'on se réveille. Et puis, il faudrait qu'on rappelle à certaines personnes. Oui, la Guinée, je vais le dire, voilà, je n'ai expliqué l'incident diplomatique. La Guinée, ce n'est pas le Togo. La Guinée, ce n'est pas le Cameroun. La Guinée, ce n'est pas le Gabon.
je ne sais pas, le Congo. Oui. Non, nous sommes différents. Mm-hmm. Nous faisons nos actions à la Guinée. Oui. Donc, je ne vais pas être trop long parce que je suppose qu'il y a d'autres personnes qui voudront bien sûr s'exprimer sur le sujet. Mm-hmm. Moi, en tout cas, un report, c'est peut-être encore permettre à d'autres Guinéens de se lever, permettre à d'autres Guinéens de brûler, de tuer, permettre à d'autres Guinéens d'être enlevés. Pour moi, il faudrait que le professeur, comme l'a dit le prédécesseur qui rentre dans l'histoire, qu'il vraiment dise ce que le peuple veut. Oui. Il est trompé, il s'est fait tromper du jour au lendemain. Et s'il y a des conseillers qui sont en train de dire, comme le disent les pégistes, les partisans de la BCKM, eux qui sont en train de lui dire, écoute, on a soutenu quand t'es moi au pouvoir, mais voilà, on peut te soutenir, tu peux rester au pouvoir. Oui. S'il y a ces personnes-là qui sont en train de lui parler comme ça, la vie a changé. Oui. Il y a une grande révolution. Il y a un éveil de conscience et les gens sont très alertes. On ne peut pas regarder la Guinée d'hier et la comparer à la Guinée d'aujourd'hui où tout le monde est alerte, tout à fait. Tout le monde est informé. Mais c'est la révolution qui a installé, qui a permis cette démocratie-là. Tout à fait. Il a fallu que les Guinéens se battent, il a fallu que les Guinéens meurent, il a fallu qu'on bouscule l'armée, les militaires, pour leur tirer la main, pour leur dire non, le pouvoir ne peut pas rester là, oui. Il faut se dresser. Et on donne le pouvoir à civil et le monsieur dit non, aux yeux, devant les militaires. Et ce monsieur dit non, écoute, on va aller au référendum, et puis voilà, même s'il ne le dit pas clairement, voilà, on va aller au référendum, et puis je vais me faire un troisième mandat. C'est pas possible. Parce qu'à l'analyse du discours, en fait, rien ne dit en fait que cette disposition-là ne sera pas maintenue. Parce que dans le discours, il a dit on reporte, mais c'est pour ceux qui étaient déjà dans le processus. Comme pour dire que ceux qui n'étaient pas déjà dans le processus n'iront toujours pas aux élections avec eux. De toute façon, il y a un recul. Oui, allô? Oui, moi je vous reçois. Voilà. Je charge un peu. De toute façon, comme je l'ai dit, il y a un recul et moi je suppose que comme le vieux CF est là, peut-être qu'il est un peu têtu, il cherche d'autres moyens. La dernière fois qu'il a reporté les élections, c'était pour le couplet. Oui. Aujourd'hui, on ne sait pas à quoi s'attendre, c'est ça? Voilà, mais 2 semaines, donc il ne faut pas. Moi je dis à tous les Guinéens conscients. Si vous permettez que Alpha Condé arrive à briguer un troisième mandat, c'est que vous permettez au futur président, après la mort d'Alpha Condé, de vouloir briser un mandat. Donc, on ne peut pas continuer dans le perpétuel recommencement. Il faut que ça change. Il faut que la Guinée évolue. Je ne sais pas dans quel univers nous sommes, mais nous ne sommes pas différents des autres. Oui. Il faudrait qu'on se réveille pour qu'on donne un boost à cette nation. Moi, je me suis fait agresser aujourd'hui par un ami parce que je commençais à poster. Et genre, Alpha Condé doit partir. Mais écoute, ça, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Moi, je ne vois pas dans le futur, je ne vois pas aujourd'hui. Je ne peux pas penser à un intérêt égoïste pour dire, ouais, je suis en train de manger dans le plat du professeur, dans le même plat que le professeur aujourd'hui. On va sacrifier les générations futures. Il faut un essor, il faut une évolution, il faut un changement. Les Guinéens sont morts pour ça et nous ne pouvons pas baisser les bras. Où que vous soyez, où que nous soyons, il faudrait que le professeur respecte les deux mandats. S'il y a un référendum pour changer ou pour apporter un plus à la constitution, ça doit se passer après le professeur. Mais le professeur ne doit pas, même, il doit pas pouvoir assister à cela. Il ne doit pas pouvoir. On ne peut pas lui permettre, ce n'est pas possible. En tout cas, c'est un message que moi je lance à tous les Guinéens. Casser, moi je ne cautionne pas la casse, les gâchis, parce qu'après. Il faut tout reconstruire. Il faut reconstruire. Oui. Moi je ne dis pas que le professeur il n'a rien fait. D'autres disent qu'il n'a rien fait. Moi je ne le dirai pas. Il a fait des efforts parce que le problème guinéen, il est énorme. Oui. Il est tellement immense que tout ce que Alpha Condé pourra faire, c'est de poser les jalons et laisser en fait un suivi derrière et passer la main. Évidemment, il essaie de faire ce qu'il peut. Je sais que ce n'est pas du tout facile parce que la Guinée telle qu'elle est aujourd'hui, on a des sérieux problèmes parce que
le mental disciplinaire, ça c'est des gros problèmes, des gros problèmes qu'il faut travailler avant qu'on passe, on pense un peu sur le plan infrastructurel, avant qu'on pense sur le plan développement. Parce que si dans la tête, ça ne va pas, s'il n'y a pas une réelle justice, on doit dire aux hommes, ça et aux femmes, ça il ne faut pas le faire s'il n'y a pas une réelle justice. On ne bougera nulle part. Il y a beaucoup à faire, bref. Il y a beaucoup à faire et je sais que le professeur Alpha Condé, il a fait de son mieux. Mais il ne peut pas aller au-delà de deux mandats. Il n'est pas le seul président. On ouvre la porte à d'autres personnes. Et moi, je vais plus loin. Les gens, excuse-moi, mais je vais le dire. Les gens ont tendance à dire, ah oui, on ne veut pas le peuple au pouvoir, on ne veut pas les vieux classiques du pouvoir, les comptes, on ne veut pas les pauvres. Ce ne sont pas les Guinéens. Ce ne sont pas les Guinéens. Mais écoute, on est à une heure. Celui qui ne peut pas, le peuple ne l'accepte pas. Donc, si on prend... Le choix revient à la population, en fait. Quelle que soit la consonance du nom de la personne, en fait. Évidemment, je me l'assure, on voit tous ces noms dans les équipes, il ne peut pas faire. On est mandat, on demande à celui dans les partis, on choisit, non. Donc on est tous des Guinéens, donc on est tous présidentiels si on respecte le nom dans ce pays. Tout à fait, oui. Donc on ne peut pas empêcher une personne d'être président quand le professeur tout en train de dire. Et ils ont pillé le pays, ils ont fait ça. Des personnes qui n'ont jamais été jugées, ils ont pillé le pays. Eh bien, qu'est-ce qui prouve qu'ils ont pillé le pays? Vous avez dirigé pendant 10 ans. Vous les avez dans la bouche et vous, on ne les poursuit jamais. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, bref, j'ai envie de parler, mais voilà. Merci déjà pour votre contribution. Je pense que voilà, les auditeurs et les Facebookers, tous ceux qui sont en train de suivre cette émission ont entendu vos propos. Et comme je vous l'ai dit, c'est une antenne libre. Personne ne critique les propos de quelqu'un. Et donc, vous pouvez les partager de manière ouverte, de manière autonome, de manière indépendante. Parce que comme vous l'avez si bien dit, on doit apprendre à respecter les avis des gens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les cafés ou dans les milieux professionnels. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens se heurtent en fait lorsqu'ils n'arrivent pas à parler de la même chose. Or, nous sommes dans un débat démocratique et malgré qu'on ne se comprend pas avec la personne sur son avis, on doit le respecter et cela ne doit pas impacter nos relations interpersonnelles. Et merci donc pour cette contribution. Merci beaucoup, Fatma. Ok, merci. Au revoir. Ok. Donc, nous étions en ligne avec M. Ibn Moussa Chérif depuis New York. Et l'antenne est encore libre. Si vous n'êtes pas encore couché, vous pouvez encore appeler 664-20-1050 en GMT. Il fait encore nuit, mais sur d'autres cieux, il fait encore jour. Et donc, voilà, nous essayons d'avoir tout le monde et quelle que soit leur position géographique. Et sur Facebook, si vous êtes connecté, vous pouvez intervenir. Je sais que c'est vendredi soir, beaucoup ne dorment pas à Conakry et vous pouvez intervenir. Et ceux qui sont aux États-Unis, ils sont à GMT moins 5, moins 6. Il est peut-être 18h ou 17h là-bas. En France, peut-être 1h du matin. En Guinée, il est bientôt minuit. Yeah. Et donc, si vous pensez que vous n'êtes pas encore couché et que vous avez quelque chose à dire, l'antenne est ouverte et si vous ratez l'émission, pas d'inquiétude, vous pourrez toujours faire vos commentaires sous la vidéo parce qu'elle sera toujours en ligne et rediffusée sur Instagram, sur YouTube et vous pourrez revenir et partager cette vidéo dans les groupes pour que le débat continue parce que 2 semaines suffit-elle à régler le problème? 1. Du fichier, 2. Du référendum, 3. De la participation des partis politiques aux élections, 4. Le fichier est déjà imprimé. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun changement en 2 semaines parce qu'on sait que ces bulletins-là ont été commandés depuis les Émirats Arabes Unis. Et 4. Est-ce que 2 semaines suffiront pour que les institutions internationales rejoignent le processus? Et donc 2 semaines, c'est un délai assez court. Ce sont 15 jours à partir de demain déjà. Il y aura un décompte lundi, on sera à 13 jours. Est-ce que cela suffit pour régler le problème? Quelles sont les recommandations issues de ce report-là? À quoi devrait-on s'attendre dans les 2 semaines? C'est là la grosse question. Et donc, d'où ce débat
Et nous allons encore rester en ligne pour 10 autres minutes. Et si on n'a plus d'appels, on va peut-être stopper l'émission. Mais en attendant, l'antenne est encore ouverte. Voilà. Liberté, je le dis souvent, les Guinéens doivent souvent chanter l'hymne national dans leur cœur le matin parce que notre hymne national est tellement bien conçu et les mots et les keywords, c'est-à-dire les mots-clés qui sont utilisés dedans, comme la devise travail, justice et solidarité, si on s'en tenait à ces trois devises-là, notre pays allait avancer parce qu'ils résument tout notre combat. Travail, justice, solidarité. Et donc, on va faire la promotion de la paix, pour la promotion de l'entente, la cohésion sociale, parce qu'avant la politique, nous existions, et après la politique, nous existons. Cela ne doit pas impacter notre mode de vie, notre ménage, et voilà. Et donc, la paix doit rester, voilà, un outil qu'on doit mettre, disons, au milieu. Et comme, comme le disait tout à l'heure, un auditeur, les Guinéens doivent apprendre à voir le verre à moitié plein et à moitié vide, c'est-à-dire essayer d'être souvent neutre pour regarder dans tous les sens et analyser, juste ne pas suivre les choses sans comprendre, que ce soit pour un oui ou un non. Comprenez de quoi il s'agit et ayez des arguments pour cela. Nous voulons une jeunesse qui est participative, une jeunesse qui n'est pas suiviste, une jeunesse qui analyse. Parce que nous sommes dans un pays riche et c'est à nous de développer ce pays-là parce que nous ne voulons pas que nos enfants demain grandissent encore dans un climat voilà, électoral voilà, jonché de crise de confiance, de crise institutionnelle. Comme je le disais, en 2010, les enfants qui sont nés auront 18 ans en 2028 et donc ils seront aux urnes. Et voilà, qu'est-ce qui nous rassure que ces futurs électeurs-là seront dans un pays démocratique où les gens s'entendent, où les parties prenantes sont d'accord avant d'aller aux élections. Donc nous allons créer des futurs jeunes électeurs qui vont encore se retrouver dans le cycle de la violence. Et donc je vous remercie d'avoir pris de votre précieux temps pour partager cette soirée avec nous. Et comme je le disais tantôt à l'entame de cette émission, les élections étaient prévues pour le 1er mars, un décret du président de la République, disons une annonce du président de la République a été faite dans le JT pour annoncer le report des élections pour 2 semaines. Et donc l'idée était d'échanger avec les Guinéens, la diaspora et tout autre acteur intéressé sur cette question électorale pour parler des perspectives, voilà, et quelle serait l'issue de ces élections-là et les Guinéens. La question reste posée. Hein? La question reste posée. Les Guinéens iront-ils au scrutin? C'est une autre question à l'entame de cette semaine-là parce que nous nous attendions aux élections le 1er mars et donc nous nous posions la question, les Guinéens iront-ils aux élections le 1er mars? Et aujourd'hui, les élections ont été reportées, mais la question reste encore posée. Les Guinéens iront-ils aux élections? Et donc, quelle que soit la date, cette question reste posée. Et donc, le débat continue en ligne, le débat continue sur les réseaux sociaux, dans les radios, et vous pouvez retrouver notre live show en ligne. Le replay sera toujours disponible, vous pourrez commenter, partager. La question reste posée. Oh, on a un appel, il est chanceux. On allait arrêter. Allô? Allô? Ok, on va le rappeler parce qu'il a pris la peine de nous rejoindre, même si on clôturait. L'antenne est libre. Voilà. Il essayait d'appeler notre antenne 664-2050. Bon, on va prendre le dernier comme il nous a rejoint.
On va essayer de le rappeler. Il était en ligne. Et donc, comme je le disais tantôt, la question reste posée. La question reste ouverte. C'est un débat ouvert. Les Guinéens iront-ils au scrutin? La question reste encore ouverte parce que les 2 semaines s'approchent. C'est bientôt à l'horizon. Ok, sur ce, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir pris de votre temps pour appeler. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir cliqué. Tout cela nous réjouit. Ce live show est initié pour débattre, pour que toutes les parties prenantes puissent s'exprimer, parce que aujourd'hui nous devons profiter du pouvoir des réseaux sociaux pour débattre sur des questions, donner notre opinion, la libre expression et surtout promouvoir la paix durable. C'est ça le plus important. Après les élections, il y aura toujours une entité. Cette entité, ce sont les Guinéens. Et la Guinée, si la Guinée est dans des problèmes aujourd'hui, dans une crise, ce sont les Guinéens qui seront impactés. Et donc, c'est comme un œuf. Essayons de promouvoir ce œuf-là et de le soutenir avec deux mains. Parce qu'un œuf, nous savons tous, quand ça tombe, ça se casse. On ne peut pas réparer les pots cassés. Et même les vases, quand ça se casse, on ne peut pas recoller les morceaux. Il y aura toujours une trace de fissure. Et donc, mettons le sens de la famille, du social, en avant. La Guinée est une famille. Je suis Peul Malinké Soussou. J'aurai toujours une autre famille dans une autre ethnie. Et donc, ne laissons pas les politiques nous diviser. C'est le message que j'ai pour la jeunesse guinéenne surtout. Essayons d'avoir l'esprit critique, c'est-à-dire tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Prenons le temps d'utiliser tous nos sens, en fait, les yeux, l'esprit, la bouche, le nez, la peau, tout, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que ce qu'on appelle overthinking, des fois, il faut arrêter ça. Essayons de nous mettre ensemble pour construire ce pays-là. Nous n'acceptons pas que les politiques nous divisent. Si un politicien vous promet quelque chose, il n'a qu'à vous montrer. Il n'a qu'à vous montrer ça. Parce que même quand on est politicien, qu'on soit du pouvoir ou de l'opposition, on peut apporter un plus à sa communauté. Que ce soit par un puits, une école, des prêts pour les étudiants ou... Je ne sais pas. On peut aider la jeunesse, quelle que soit notre position. Et donc, n'acceptez pas d'être divisé sur ce. Je vous dis au revoir et nous allons terminer notre débat par, c'est ce titre encore qui promeut la paix. Et bye bye, bon week-end. Voilà. La Guinée a accueilli des réfugiés de la Sierra Leone, du Liberia, donc de la Côte d'Ivoire. On sait ce que c'est que la guerre, n'acceptons pas cela. Ok. Ah ben. Donc, vous voyez, on n'arrive pas à clôturer le direct. Les gens veulent appeler. Ok, on va prendre ce dernier appel. Allô? Oui, allô? Bonjour et bienvenue dans le live show. Vous appelez depuis la Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, oui. Ok, donc vous pourrez intervenir dans l'émission. Nous parlons de la crise électorale en Guinée. Allô?
On n'arrive pas à la voir. Malheureusement, on va devoir couper. Il essaie d'appeler encore. Alors, je sais que d'autres veulent encore appeler, mais nous devons couper, terminer l'émission. C'est pas grave, vous pourrez toujours contacter le live show à travers le Facebook pour laisser vos commentaires, vos avis. Peut-être si vous pensez que vous voulez toujours intervenir, faites une petite vidéo, vous nous envoyez au 664-20-50 sur WhatsApp pour parler de votre avis, pour partager votre témoignage ou je sais pas, des audios. L'antenne va être clôturée ici, mais nous continuons à rester en contact en ligne, sur Facebook, sur WhatsApp, Instagram. Vos avis seront toujours les bienvenus. Et donc, merci et au revoir. Donc tout le monde n'a qu'à faire doucement. La paix, rien que la paix. Namasté.